Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence consacrée aux mécanismes de l'apprentissage. Le titre, les mécanismes de l'apprentissage bientôt dévoilés. Oui, et c'est ce que vous allez découvrir pendant l'heure et demie qui va suivre. Le cerveau est un territoire qui est encore largement à explorer, mais les scientifiques commencent à comprendre comment cet organe étrange et fascinant emmagasine des informations. Comment apprenons-nous? Comment se structurent nos connaissances depuis l'enfance et jusqu'à l'âge adulte? Quelle influence peuvent avoir les neurosciences et les sciences cognitives sur les méthodes d'enseignement? Vous allez découvrir ce matin ce que les chercheurs ont découvert à propos des mécanismes de la matière grise, à travers ce que les quatre spécialistes qui sont devant vous, autour de cette table, vont vous raconter, mais aussi à travers les films et les images qu'ils ont apportées. Vous allez tour à tour vous mettre dans le cerveau d'un bébé ou d'un élève, et même d'un adulte. Nous partons donc pour un voyage assez extraordinaire, et je vous présente les quatre participants. Philippe Gossier, professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Vous dirigez, Philippe Gossier, l'équipe neuro-cybernétique du laboratoire de traitement de l'information et systèmes. Et vous allez nous parler de robots. Qu'est-ce que les robots ont à voir avec le cerveau? Eh bien, vous allez nous raconter que des robots sont utilisés comme outils pour étudier les mécanismes cognitifs et aussi pour comprendre les interactions entre les individus. Donc, vous menez des travaux qui sont entre la psychologie et la neurobiologie. À votre droite, Olivier Houdet, professeur de psychologie du développement à l'Université Paris-Descartes. Vous dirigez, Olivier Houdet, le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Vos travaux sont au croisement de la psychologie, des sciences de l'éducation et des neurosciences. Vous utilisez à la fois des techniques de psychologie, mais aussi l'imagerie cérébrale et l'électroencéphalographie. Vous allez nous raconter tout ça. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés aux apprentissages. À vos côtés, Olivier Mascaro, chercheur CNRS à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneret à Lyon. Vous êtes spécialisé dans la psychologie du jeune enfant. On va beaucoup parler de bébés ce matin. Vous travaillez aujourd'hui sur la représentation des relations sociales et la communication chez le bébé et le jeune enfant. Et vous faites partie du projet Baby Lab qui tente de répondre à la question « À quoi pensent les bébés ?». À l'extrémité, Jean-Luc Velay, vous êtes chargé de recherche au CNRS, au laboratoire de neurosciences cognitives Aix-Marseille Université. Votre spécialité, l'écriture manuscrite et la nécessité ou pas de poursuivre l'apprentissage de cette écriture manuscrite à l'heure des ordinateurs et des tablettes. Vous nous raconterez ce que ça change, les tablettes et les ordinateurs, par rapport à l'écriture. Alors, on va commencer peut-être avec vous, Olivier Houdet. Vous allez essayer de nous expliquer comment le cerveau apprend. Ça fait bien longtemps que les hommes s'intéressent à ce sujet, aux mécanismes de l'apprentissage. Et au cours des deux dernières décennies, on a découvert énormément de choses. Merci, bonjour à toutes et à tous. Il est vrai que la question de l'apprentissage est aujourd'hui plus que jamais au cœur de l'actualité, d'abord en science, puisque l'exploration du cerveau grâce aux technologies d'imagerie cérébrale, comme l'IRM, permet de découvrir comment le cerveau change, s'adapte au cours de l'apprentissage. Et par ailleurs, vous savez aussi que notre société, notamment les politiques, un exemple, le ministre actuel de l'Éducation nationale, prône un rapprochement entre l'éducation et les neurosciences. Alors, vous nous avez apporté des images. Alors, ce qu'on a exploré en laboratoire, c'est précisément comment se reconfigurent les réseaux de neurones au cours de l'apprentissage. Et on a découvert ce qu'on appellerait en mathématiques une loi remarquable, c'est-à-dire que notre cerveau, celui de chacun d'entre vous, et déjà du très jeune enfant, peut bouger en quelque sorte dans deux directions, dans deux sens différents. Les premiers cerveaux que vous voyez en haut, là, il y en a 9, mais regardez uniquement la première ligne, vous voyez 3 petits cerveaux qui se succèdent, c'est celui d'un même élève qui est en train d'apprendre par cœur une liste de mots. C'est la première façon dont les auteurs, des Américains, ont étudié l'apprentissage en imagerie cérébrale, par la pratique, la répétition. Et c'est la conception qu'on a en général de l'apprentissage. Et on voit qu'au début de l'apprentissage, quand la liste de mots n'est pas encore connue, c'est l'avant du cerveau qui est activé, le cortex préfrontal, qui nécessite un effort cognitif, de la concentration. On ne peut pas faire autre chose en même temps. Et ce qui est passionnant dans ce résultat, c'est que le deuxième cerveau, vous voyez sur la première ligne, du point de vue du comportement, la liste est connue par cœur.
L'élève connaît la liste et à ce moment-là, vous remarquez que les activations cérébrales migrent, se déplacent de l'avant vers l'arrière du cerveau, les régions postérieures et même sous-corticales. C'est là où, dans le cerveau, se cristallise l'automatisme. On connaît la liste par cœur. Et juste après, le troisième cerveau de cette première ligne, on présente au même élève une nouvelle liste de mots qu'il ne connaît pas encore. Et vous voyez qu'à ce moment-là, à nouveau, son cortex préfrontal se réactive pour réapprendre parce que la liste n'est pas encore automatique. Et la partie de droite de la diapo, c'est ce qu'on a découvert dans mon laboratoire du CNRS à la Sorbonne, on a toujours eu l'intuition. Vous savez, souvent les scientifiques ont des intuitions fortes, mais qu'ils doivent décliner en expérimentation. On a eu l'intuition que l'apprentissage, c'était aussi exactement le contraire de ce que je viens de vous décrire, à savoir que quelquefois, il fallait inhiber ces automatismes, ce que nous appelons le contrôle inhibiteur, et dans ce cas-là, le but de l'apprentissage, c'est l'activation du cortex préfrontal, et non son désengagement, comme dans l'apprentissage par la pratique, et on observe cela notamment dans des tâches de raisonnement logique ou mathématique, où on est piégé, notre cerveau est piégé par un automatisme surappris, et à ce moment-là, vous voyez qu'au début de l'apprentissage, en suivant mon doigt, au début de l'apprentissage, l'élève est, disons, prisonnier de son automatisme. C'est une erreur de raisonnement et c'est la partie arrière, postérieure de son cerveau qui est activée. Et quand on lui apprend à inhiber cet automatisme, alors vous avez une plasticité, une reconfiguration neuronale qui, cette fois, est postéro-antérieure, de l'arrière vers l'avant du cerveau. Et à ce moment-là, le but de l'apprentissage, c'est l'activation de notre cortex préfrontal pour la prise de recul, l'abstraction. Et dès lors, vous voyez déjà, pour commencer cette table ronde, que votre cerveau et celui des élèves à l'école peut bouger dans deux sens tout à fait symétriques. Et il y a donc deux façons d'apprendre, oui. Soit en répétant, soit en inhibant. Et l'école apprend plutôt en répétant, c'est ça mon message. Et au moins la moitié de nos apprentissages devrait être d'inhiber nos automatismes pour être créatifs. Et cela, l'école le fait moins pour des raisons dont on pourra parler tout à l'heure. Philippe Gossier, vous allez nous raconter comment vous utilisez les robots pour comprendre le cerveau et notamment le système visuel. Oui, donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est partir depuis des données neurobiologiques et de voir dans quelle mesure, en fait, une fois qu'on simule ce genre de choses sur un robot, quel est le comportement que l'on obtient. Et notamment, les robots ont cela d'intéressant que, évidemment, tout ce qu'on est capable de faire pour l'instant, malgré ce qu'on vous raconte peut-être un peu trop dans la presse, l'IA n'en est qu'à ses balbutiements. Et donc, nous, ce qu'on maîtrise bien, c'est des apprentissages de conditionnement, des apprentissages associatifs. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où il y a une interaction entre le robot et les personnes qui sont autour de lui, eh bien, dans ce cas-là, la tâche pour le robot peut devenir énormément plus simple que si le robot avait été, entre guillemets, seul pour apprendre. Vous fabriquez, en quelque sorte, des cerveaux ultra simplifiés, vous fabriquez des réseaux de neurones. Voilà, exactement. Donc, en fait, on utilise des modèles informatiques qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels qui sont une manière de simuler vraiment de la manière la plus grossière qui soit ce qui se passe dans notre cerveau en termes de réseaux de neurones. Vous avez découvert que finalement, pour certaines tâches ou certaines relations, il ne faut pas beaucoup de neurones. Vous avez brisé des a priori. Oui, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand on réfléchit, nous, en tant qu'adultes, à comment est-ce qu'on a pu apprendre quelque chose, malheureusement, on a notre raisonnement d'adulte qui est présent, on a tout un ensemble de capacités cognitives qui sont très évoluées, et si, par exemple, on se pose la question de comment est-ce qu'un bébé il a pu apprendre à reconnaître les expressions faciales de ses parents, par exemple, on se dit, mais il n'avait pas accès au langage, on ne peut pas lui dire, ça c'est un sourire, donc comment ça se passe? Est-ce que c'est complètement inné, hypothèse des fois soutenue par un certain nombre de personnes, ou est-ce que ça peut être appris de manière simple? Et là, ce que nous, on arrive à montrer, c'est que si, en fait, les personnes qui sont en face de notre robot miment les expressions que fait le robot, c'est-à-dire si elles n'arrivent pas à s'empêcher de mimer ce que fait le robot, eh bien, automatiquement, ça produit pour le robot un feedback qui lui permet de faire un apprentissage qui est très facile. Pour qu'on comprenne bien, vous avez apporté des images et on va regarder ces expressions faciales. Voilà, donc si on peut normalement, voir, on doit voir voilà, une vidéo. Donc il y a eu, donc là c'était Pierre Andry qui est pendant en fait 2 minutes à mimer les expressions faciales du robot. Et là vous le voyez après simplement 2 minutes d'apprentissage, c'est lui qui
exprime ce qu'il a envie, et la tête de robot qui se met à mimer ses expressions. Vous voyez, on peut arriver à faire ça en temps réel. Donc là, à l'époque, c'était lors d'un événement européen à Lyon où on avait réalisé ça. Donc ça peut vraiment être fait complètement, très rapidement, en quelques minutes, l'apprentissage s'effectue. On peut repasser peut-être cette vidéo qui est assez spectaculaire, je trouve. Et ça veut dire que derrière ça, il n'y a pas beaucoup de neurones, entre guillemets. Oui, exactement. Là, on se base uniquement sur un mécanisme de conditionnement très simple. Le robot, on simule le fait que le robot soit dans un état, entre guillemets, émotionnel particulier. Il y a un mécanisme réflexe qui associe cet état émotionnel avec la production d'expressions particulières qui sont prototypiques. Et ensuite, si en face de lui, un humain réagit d'une certaine manière, il va apprendre les corrélations entre ce qu'il voit dans son espace visuel et son état interne. Et ensuite, évidemment, le fait de revoir ces stimuli-là lui permettra d'évoquer le même état interne et donc de réagir de la même manière. Et nous verrons d'autres robots dans un instant au cours de cette table ronde, mais on va parler des bébés maintenant avec vous, Olivier Mascaro. Vous êtes spécialisé dans les mécanismes qui concernent la toute petite enfance. Vous avez obtenu pas mal de résultats et vous travaillez comment ? Alors, justement, comme le disait mon collègue, c'est vrai que le problème avec les très jeunes enfants, c'est qu'ils ne parlent pas. Donc comment est-ce qu'on va savoir ce qu'il y a dans la tête des bébés ? Et pour ça, dans les 20-30 dernières années, on a développé toute une batterie de techniques qui vont permettre donc d'analyser le comportement sans poser des questions explicites au bébé. Et donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est mesurer le niveau d'éveil de l'enfant lorsqu'il observe quelque chose qui va le surprendre. Donc on va, par exemple, mesurer son temps de regard, son rythme cardiaque, ou par exemple la dilatation de sa pupille. Et plus la pupille est dilatée, plus l'enfant regarde longtemps, plus le rythme cardiaque ralentit, et plus on peut faire l'inférence que l'enfant est par exemple surpris, et donc qu'il avait une connaissance qui a été... il avait une attente qui a été déjouée dans ce qu'il observe. Ils ont quel âge, les bébés que vous étudiez ? Ce sont des enfants qui ont entre quelques mois jusqu'à 2 ans. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert ? Vous avez découvert pas mal de choses. Vous avez découvert que finalement, les bébés ont beaucoup de savoir dans le domaine social. Oui, c'est vrai, ça, c'est des avancées qu'on a fait dans les 10 dernières années. On s'est rendu compte que les bébés avaient toutes sortes de connaissances sociales. Ils peuvent se représenter, par exemple, les états mentaux des gens, le fait que les gens peuvent se tromper, le fait que les gens puissent avoir des désirs. Ils peuvent aussi se représenter les relations qui existent, par exemple, entre les gens. Et notamment, on a pu découvrir qu'ils étaient sensibles aux relations de pouvoir qui existent entre les individus. Vous avez découvert qu'ils ont une représentation intuitive des quantités. C'est pas moi, mais c'est vrai que le champ en général sur la recherche de la recherche chez le bébé a montré qu'il y avait aussi des connaissances qui, par exemple, s'articulent au domaine des mathématiques. Et on a pu montrer qu'effectivement, les enfants étaient sensibles aux quantités. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'éléments. Et on peut le voir, par exemple, lorsqu'on leur présente des séries d'images où il y a, par exemple, beaucoup de points qui sont représentés ou peu, et en contrôlant pour toutes sortes de dimensions physiques, on peut voir qu'ils sont sensibles à la quantité d'éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que ces capacités-là, on les retrouve non seulement chez le bébé, mais aussi chez le primate non humain, ce qui montre qu'il y a une base commune qui va servir après au développement des capacités mathématiques. Donc c'est vraiment une capacité très primitive, évidemment, mais qui ensuite va être enrichie. Et puis à propos des relations sociales, vous avez compris que les bébés, naturellement, font confiance. Alors, et c'est important. Et c'est important, oui. En fait, la question de l'origine de la confiance, c'est une question qui est importante. Quand on réfléchit à l'origine de nos croyances en tant qu'adultes, c'est vrai que nous, les humains, on est des animaux assez spéciaux. On a toutes sortes de croyances spéciaux. La plupart d'entre nous, par exemple, seraient d'accord pour dire qu'il existe des entités invisibles, comme les molécules d'oxygène ou les microbes, et que ces entités-là sont importantes pour notre santé, par exemple. Et si on nous demandait de justifier ces croyances, tout ce qu'on pourrait dire, c'est « quelqu'un me l'a dit, je l'ai entendu quelque part ». On transmet beaucoup d'informations par le biais de la communication. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, on échange de l'information. Et donc les philosophes se sont demandé depuis longtemps, mais d'abord, quel est le rôle de cette confiance dans l'apprentissage et d'où est-ce qu'elle vient ? Et on a pu montrer que chez les très jeunes enfants, il y avait une sensibilité à la communication qui la présente très très tôt, en fait, dès la naissance, et qu'elle joue un rôle fondamental dans l'apprentissage en s'appuyant sur une confiance forte. Et notamment, on a pu montrer aussi que... cette confiance-là, elle allait augmenter dans le temps, c'est-à-dire que les jeunes enfants sont plus sceptiques que les enfants un peu plus âgés. Donc les enfants deviennent plus crédules au cours des 2-3 premières années de vie. Vous avez apporté des images.
Alors vous là, allez nous commenter. Oui, c'est une situation où on teste la confiance d'un bébé de 15 mois. Donc ici, l'enfant doit retrouver un petit jouet qui est caché dans un seau parmi deux. Et il y a une personne, donc l'expérimentatrice qui a caché le jouet, va sortir de la salle. Et pendant qu'elle est absente, la deuxième expérimentatrice va échanger la position du jouet, de sorte que la personne qui est à l'extérieur de la salle a maintenant une croyance fausse. Et surtout, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va montrer à l'enfant où le jouet est caché. Donc j'espère que vous avez pu voir où se situait le jouet. Maintenant, l'expérimentatrice qui était dehors revient. Elle va communiquer l'emplacement du jouet sur la base de sa croyance fausse. Et l'enfant doit donc choisir à qui faire confiance, soit à ce qu'il a vu, soit à l'information qui lui est communiquée par l'expérimentatrice. Et ce que vous pouvez observer, c'est un résultat typique de ce qu'on observe à 15 mois, c'est-à-dire que les enfants font effectivement plus confiance à l'information communiquée qu'à ce qu'ils viennent juste de percevoir. Et le deuxième résultat, qui est encore plus surprenant, si vous voulez, dans ce contexte-là, c'est que si on teste des enfants de 2 ans dans la même situation, au lieu d'être plus sceptiques, ils vont être encore plus confiants. Et ils vont presque tous faire confiance de manière extrêmement systématique. Et même si on répète la situation, même si l'expérimentatrice se trompe plusieurs fois. Ce qui montre qu'effectivement, il y a une augmentation de la confiance dans les premières années de vie. Et cette confiance-là, elle va être fondamentale comme support des apprentissages, puisqu'effectivement, on communique plein de choses aux jeunes enfants qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre immédiatement, et qu'il faut qu'ils les acceptent en nous faisant confiance. Si on dit à un enfant, par exemple, que la Terre est ronde, alors que toutes les données de ses sens lui disent que la Terre est plate, il faut qu'il nous fasse confiance, vraiment, pour accepter cette information. Et de manière plus générale, dans l'apprentissage, y compris en contexte scolaire, il y a des tas d'informations contre-intuitives qu'on fournit aux jeunes enfants, et ils les acceptent parce qu'ils nous font confiance. Une réaction, Olivier Houdet. Vous aussi, vous faites des expériences avec de très jeunes enfants. Vous pouvez nous raconter l'expérience du cube et de la planche de bois ? Si vous voulez. Alors, je mets cela en perspective. À travers la confiance, en effet, ce qui se construit chez l'enfant, son intelligence, bébé, enfant de maternelle, primaire, adolescent, jusqu'à nous, adultes, c'est une sorte d'architecture cognitive. Et la brique de base de cette architecture cognitive, c'est la permanence de l'objet. On peut prendre un cube de bois ou cette bouteille, vous la voyez tous, donc votre cortex occipital à l'arrière de votre cerveau s'active. Si je la fais disparaître derrière mon dos, il est évident pour vous, comme pour un bébé, à partir de quelques mois, que la bouteille continue d'exister. Mais au tout début de la vie du bébé, lorsque cette bouteille disparaît, elle n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore différencié le percept du concept. Si je la cache partiellement par cette table, pour vous, il ne s'agit pas d'une demi-bouteille. Vous inférez l'unité de l'objet. Et en effet, l'une des premières constructions que doit faire le bébé, c'est concevoir l'unité et la permanence des objets physiques ou humains. Vous et moi. Et vous imaginez que lorsque le cerveau du bébé, à peu près au même âge, a découpé mentalement l'environnement qui l'entoure en de multiples objets physiques et humains uniques et permanents, de façon irrépressible, notre cerveau a soit envie de les compter, traitement quantitatif, le nombre, qui va conduire par la culture, par la confiance aux mathématiques, mais notre cerveau a aussi envie de les traiter de façon non pas quantitative, mais qualitative, selon la forme, la couleur, la fonction. C'est la catégorisation. Vous avez donc nombre, catégorisation, provenant de l'objet, sa permanence. Et lorsque ces traitements quantitatifs, nombre et ou qualitatif, catégorisation, ne portent plus sur des objets concrets, comme cette bouteille, mais sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques, alors le cerveau accède au raisonnement. Et l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, c'était comment le cerveau peut reconfigurer ses réseaux neuronaux pour raisonner correctement. Et l'exemple que vous me demandez chez le bébé est très simple, qui ressemble un peu à l'histoire des petits sceaux. Jean Piaget, grand psychologue du XXe siècle, avait découvert en rentrant de l'université de Genève, le soir, jeune professeur, que s'il cachait sa montre sous un coussin du canapé, son bébé n'allait pas le rechercher, parce qu'il n'avait pas encore la permanence de l'objet. À partir de 8 mois, le bébé de Piaget allait rechercher l'objet, mais comme les psychologues sont toujours un peu curieux de tester les enfants dans leur retranchement, Piaget prenait sa montre et la cachait sous un second coussin équidistant. Donc la difficulté motrice était égale. Et on remarquait que le bébé, entre 8 mois et 12 mois, donc c'est très long pour la vie d'un bébé, continue d'aller rechercher l'objet derrière le premier coussin, ce qu'on a appelé l'erreur A non B. Il va le rechercher en A et pas en B. Donc il semblait que le bébé n'avait pas encore une réelle permanence solide de l'objet qu'il n'acquiert qu'à l'âge de 1 an, où il va effectivement rechercher l'objet.
Ça, c'était, vous voyez, une façon motrice de tester son intelligence. Et comme l'a très bien dit Olivier Mascaro tout à l'heure, les chercheurs récemment ont trouvé des tests visuels bien avant le langage et qui sont plus proches de l'intelligence du bébé, qui est un détecteur. Le cerveau du bébé détecte des régularités visuelles tout le temps, on fait même des statistiques dessus. Et donc, en transgressant la permanence de l'objet avec un système magique, un cube de bois qui est là, un écran devant vous, l'écran se lève, cache le cube de bois à 90 degrés et peut soit continuer sa rotation jusqu'au bout en traversant le cube, ce qui ne respecte pas la permanence de l'objet, soit s'arrêter au niveau du cube. Et dès 4-5 mois, les bébés sont très surpris quand l'écran traverse l'objet. Par cette magie expérimentale, ils montrent donc qu'ils ont déjà construit un algorithme minimal de permanence de l'objet. Mais pourtant, ils font l'erreur annombée jusqu'à un an. Et là, on est au fondement de l'intelligence que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas seulement des algorithmes comme la permanence de l'objet ou la conservation de ses déplacements dans l'espace de A vers B. Le bébé aussi, dans son cerveau, et nous aussi, des heuristiques. On va d'habitude chercher les objets là où ils se trouvent. Et lorsque le bébé à un an parvient à inhiber cette heuristique motrice, c'est-à-dire le geste préprogrammé vers A pour activer le geste vers B, il fait preuve de flexibilité cognitive. Et on a montré en imagerie cérébrale que c'était corrélé au début de la maturation du cortex préfrontal que j'évoquais tout à l'heure, mais dont on voit qu'encore chez l'adulte, il peut être mis en défaut. Et donc on est là au cœur à la fois de la force de l'intelligence par l'inhibition des automatismes, automatisme moteur chez le bébé, mais aussi chez nous, automatisme cognitif ou de pensée qui fait qu'on est souvent irrationnel, comme l'a démontré Daniel Kahneman, psychologue et prix Nobel d'économie. Olivier Houdet, en quelques mots, vous pouvez nous rappeler de quoi est fait le cerveau? Combien de neurones? Combien de connexions? Oui, alors selon, personne ne les a comptés évidemment, mais selon les estimations, il y aurait entre 86 et 100 milliards de neurones dans notre cerveau, et 1 million de milliards de connexions. Vous voyez donc, et nous on explique ça aux enfants dans les classes, et notamment dans un livre qui va paraître chez Nathan pour les enfants au printemps qui s'appelle Mon cerveau, que le réseau de neurones, même si on peut en simuler des très simplifiés, mais le vrai réseau de neurones dans nos cerveaux, dans celui des enfants, est incroyablement plus complexe dans notre tête que l'est Internet. Vous pouvez simuler Internet avec 7 milliards d'humains, vous faites les multiplications que j'ai évoquées tout à l'heure entre 86 et 100 milliards de neurones avec 1 million de milliards de connexions, ce qu'il y a dans notre cerveau, c'est d'une puissance incroyablement supérieure à Internet. Après, vous avez 6 lobes, le frontal, réflexion-abstraction, pariétal, spatial, l'espace et la construction des mathématiques, temporale, la vision, la catégorisation, le langage, et occipital, la vision vraiment simple que j'évoquais lorsque vous percevez cette bouteille d'eau. Et le cerveau, à la fois cette matière grise que vous avez évoquée, mais aussi de la matière blanche, c'est-à-dire la myéline qui entoure nos axones, et les axones du cerveau, notamment ceux du cortex préfrontal, sont très longs. Donc l'axone, c'est le tube qui part d'un neurone à l'autre et qui communique l'information neuronale jusqu'à 10 cm. Et c'est pourquoi le cortex préfrontal peut envoyer sur l'ensemble du cerveau des ordres inhibiteurs ou activateurs qui justement nous permettent, comme je vous le montrais tout à l'heure, d'aller au-delà de nos automatismes. Alors quelques questions encore sur les bébés avant de passer à l'apprentissage de la lecture avec vous, Jean-Luc Velay. Philippe Gossier, vous nous avez dit que finalement vous avez entendu ce nombre fabuleux de neurones et de connexions, mais vous dites que peu de neurones suffisent pour beaucoup de choses. Alors à quoi servent les autres? Vous avez deux micros que vous pouvez vous partager. Bonne question. En fait, je dirais pour moi, par exemple, quand il s'agit de comprendre les mécanismes d'imitation, au début on s'était dit, voilà, on avait nos robots qui apprenaient un petit peu par eux-mêmes avec de l'apprentissage par renforcement, et on voit bien qu'il y a une sorte de mur de complexité où à un moment donné il faut pouvoir apprendre des autres, on ne peut pas apprendre à être seul au monde et entre guillemets et découvrir l'ensemble des choses qu'il y aurait à savoir. Et donc le problème c'est que tous les gens qui nous parlaient de l'imitation nous expliquaient, imiter c'est être capable de comprendre les buts de l'autre et aller imiter ses
ses buts. Et donc, ça veut dire d'abord qu'on sait qui est l'autre et on le reconnaît comme un agent. Et nous, avec nos petits robots, honnêtement, avoir la notion de « je vais reconnaître ce qu'est un humain », ça me pose un défi que je ne suis toujours pas capable de relever. C'est-à-dire, comment je vais pouvoir caractériser que quelqu'un d'autre serait comme moi. Alors, en plus, comme c'est un robot, il n'est pas comme lui. Donc, en fait, on était complètement bloqués. Donc, on est parti de l'hypothèse de se dire « bien, tout ça, je ne sais pas le faire, ça m'est inaccessible et je ne sais pas, d'ailleurs, si un jour ça me le sera, si un jour je pourrai accéder à une vraie compréhension de ces choses-là. » Et donc on est parti de tout ce qui était facile à maîtriser pour nous, à savoir de se dire, ben, ce qui est facile pour un robot, c'est par exemple de bouger aléatoirement son bras dans son champ de vision et de regarder la correspondance qu'il y a. Donc je crois qu'il y a une vidéo normalement que vous pourriez... Oui, on ne l'avait pas prévu maintenant, d'accord. Mais si on peut mettre la main dessus, ça s'appelle Tino apprend avec la main, Jonathan. Ça arriverait à point nommé. Bon, on continue. Donc en fait, le robot apprend la correspondance en fait entre sa vision et sa proprioception. Et à partir du moment où il a appris cette correspondance, eh bien si au lieu de regarder sa propre main, il regarde la main d'un humain, eh bien il va pas pouvoir s'empêcher entre guillemets de mimer ces mouvements-là. Et là, dans ce cas-là, le réseau que l'on va utiliser est un réseau qui est vraiment minimal. Et notre robot va être complètement incapable d'empêcher ces choses-là. Donc, voilà. Donc là, c'est la phase où le robot bouge aléatoirement donc son bras. Vous voyez pas très bien, mais donc il a des yeux donc qui suivent les mouvements en fait de l'extrémité du bras qu'on a ici représenté avec une balle. Et ensuite, en fait, simplement à cause de l'ambiguïté de la perception pour lui, eh bien si un expérimentateur se met en face, notre robot va mimer automatiquement les déplacements de son bras. Et là, le réseau est vraiment très simple. Très simple. Olivier Houdet. Oui, juste un point sur cette question de limitation, c'est extrêmement important. Au début de la vie, en effet, l'enfant est nid de façon quasiment irrépressible, un peu comme le robot que vous décrivez. Mais si vous et ça repose notamment dans le cerveau sur ce qu'on appelle une résonance motrice. Et c'est notamment Marc Jeanneret qui a contribué à montrer cela. C'est-à-dire que les réseaux de neurones qui s'activent, si vous imitez ou si vous êtes imité, sont extrêmement similaires. Mais vous comprenez bien qu'après... il faut inhiber l'imitation. Là, vous ne m'imitez pas quand je fais ça, Florence, parce qu'on n'imite pas tout le monde tout le temps, on imite quand on veut. Cela exige aussi d'inhiber énormément d'imitation. Et là, vous voyez que le rôle du cerveau devient déjà plus complexe. Et jadis, on disait que l'imitation, c'était une question de bébé ou d'enfant, mais aujourd'hui, avec le numérique, avec les réseaux sociaux, avec le communautarisme qui s'y développe, on imite beaucoup, tout le temps, même adulte. Or, je pense qu'il faut aussi apprendre à inhiber cette imitation, prendre du recul, penser autrement, penser contre soi et, vous dites et penser contre sa qu'il communauté. Faut résister. Vous êtes venu avec quelques autres images. Alors, le cerveau devient déjà beaucoup plus sollicité, voyez-vous. Vous êtes venu avec quelques autres images, Olivier Houdet. Je crois qu'on va peut-être pouvoir les commenter pour expliquer ce qui se passe vraiment physiologiquement quand on apprend. Non. Bon, alors on va passer, c'est pas grave, pas grave du tout. J'ai déjà beaucoup parlé. Oui, Olivier Mascaro, qu'est-ce que vous... Elle est là, pardon. Alors là, c'est une tâche très très connue. Vous voyez la tâche des jetons au-dessus, inventée par Jean Piaget, que je citais tout à l'heure. Si vous montrez, là on va des âges un peu plus grands que le bébé qu'évoquait l'autre Olivier tout à l'heure. Alors on sait en effet que chez le bébé, de quelques mois, 4-5 mois jusqu'à un an, il y a des capacités proto-mathématiques. Non seulement les nuages de points dont ils peuvent quantifier le nombre, mais aussi des calculs, de l'arithmétique, des statistiques, etc. Ici, c'est un peu plus grand. On sait que l'enfant d'école maternelle, s'il voit deux alignements de jetons bleus au-dessus et en dessous de la ligne noire, sera capable de dire qu'il y en a le même nombre, ce qu'on appelle le constat d'égalité. Si sous ses yeux, vous transformez, cela a disparu, vous transformez le dispositif et vous écartez les jetons, le nombre reste identique, mais la longueur est différente, et que vous reposez la même question à l'enfant, il va vous dire « Ah ben là, il n'y en a plus pareil ». On lui dit « Pourquoi ?»« Ben, tu vois bien, c'est plus long », dit l'enfant. Piaget croyait que l'enfant n'avait pas encore atteint la logique du nombre, l'algorithme, qu'il atteint seulement à l'entrée en école primaire, en CP. Et c'est quand même très dommage qu'on ne voit pas les images du cerveau. J'aurais pu vous montrer, mais elles reviendront, comment, dans une séquence d'apprentissage, voilà, merci beaucoup, Jonathan. Voyez le point 1, c'est une partie du cortex pariétal qui s'active, qu'on appelle le sillon intrapariétal, dont un segment est dédié à la longueur, donc traite la longueur des alignements.
Mais si l'enfant répond en fonction de cette région et de la longueur, il se trompe, comme l'avait déjà observé Piaget pendant longtemps, jusqu'à 7 ans. Et on l'observe toujours aujourd'hui chez les enfants en 2017 et bientôt 2018. Donc c'est un résultat intéressant. Il y a un défi pour le cerveau que d'inhiber la longueur pour activer le nombre. Et on a observé la séquence. En deux, il faut que le cortex préfrontal, l'épicentre, qui est dans le cortex préfrontal inférieur droit, s'agissant d'une tâche spatiale, s'active pour envoyer des ordres inhibiteurs à longue distance vers le cortex pariétal. Il inhibe une partie du segment intrapariétal dédié à la longueur. Et troisièmement, enfin, après l'avoir inhibé, le cortex préfrontal envoie un ordre activateur à une autre région qui est juste à côté dans le segment intrapariétal et qui est dédiée au comptage. Ce qui veut donc dire que le cerveau, et le rôle qu'il a dans l'apprentissage, le cortex préfrontal qui déclenche ces inhibitions et activations à longue distance via les neurones axones longs que j'évoquais tout à l'heure, et s'il y a beaucoup de myéline, de matière blanche, ça va très vite, est un peu comme un ministre de l'Intérieur qui enverrait des ordres à un préfet en province, le cortex pariétal, pour régler un conflit que lui seul ne peut pas régler. Et c'est en fait ça qu'avait pointé Piaget, le conflit entre l'espace et le nombre vient du fait que dans le cerveau humain, et c'est l'imagerie cérébrale qui a permis de découvrir ça, l'espace et le nombre, donc l'espace et les maths, se construisent dans le même lobe, dans la même partie. Et la superposition de cela, dans certains cas, comme celui qu'avait construit Piaget, crée un conflit neuro-anatomique qui est ce qu'on appelle l'interférence cognitive en psychologie, qui nécessite absolument cet apprentissage par l'inhibition qui est contraire à la répétition. Parce que si je comptais le nombre de chaises ici, j'utiliserais longueur égale nombre très rapidement parce que ça marche. Ou dans les livres de maths pour petits, on voit les nombres de 1 à 10 avec un hippopotame, deux girafes, trois éléphants. On lui apprend la séquence des nombres, mais implicitement, son cerveau détecte la régularité selon laquelle longueur est égale à nombre. Et ça, ce sont des heuristiques inconscientes. Tout comme sur les rayons des supermarchés, à type de produits égaux, on ne compte pas. On se dit, là où l'alignement est le plus long, il en reste plus. Ce n'était donc pas un stade de développement comme le croyait Piaget, c'est une heuristique au sens de Daniel Kahneman qui existe toute la vie, qui est suractivée dans notre cortex pariétal et qu'il faut quelquefois inhiber pour être intelligent. En tout cas, moi, je trouve que ces découvertes sont totalement fascinantes. Ça, j'avais beaucoup de... Olivier Houdet. C'est en EEG haute densité qu'on trouve cela. Vous évoquiez l'EEG. Vous voyez un enfant qui a 256 capteurs sur sa tête. On a un système, une cage de Faraday à la Sorbonne avec des petits bonnets selon la taille des enfants. Et lorsque l'enfant résout cette tâche sur ordinateur, nous avons mesuré à la milliseconde l'ordre de ses activations cérébrales. Parce que l'IRM est donne des magnifiques images, comme on a vu tout à l'heure, mais la résolution spatiale est à la seconde. Or, en psychologie, qui est une vraie science dure aujourd'hui, on travaille à la milliseconde l'engagement de ces processus, parce qu'une heuristique comme la longueur passe très vite devant le comptage. Olivier Houdet, si on parlait de l'apprentissage de la lecture avec Jean-Luc Velay, c'est votre spécialité, l'apprentissage de l'écriture. Est-ce qu'il y a une différence entre l'écriture sur papier et l'écriture sur tablette? Vous vous êtes posé cette question, vous avez fait beaucoup de découvertes. Oui, en fait, je travaille beaucoup plus sur l'apprentissage de l'écriture que sur celui de la lecture. Néanmoins, j'ai fait un lapsus, je suis désolé. C'est pas grave. Il se trouve qu'il y a des relations, comme chacun le sait, très étroites entre l'écriture et la lecture. Et donc, oui, on s'intéresse à, finalement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend à écrire, quels sont les réseaux neuronaux qui sont modifiés, et puis... pourquoi de temps en temps ça se passe mal? Il y a un certain nombre d'enfants à l'école qui sont en grande difficulté pour écrire, ce qu'on appelle les enfants dysgraphiques, qui ont des problèmes pour en général faire ces mouvements fins d'écriture. Et donc il faut faire de la rééducation. Donc quand on s'intéresse à ce qui se passe dans le cerveau chez ces enfants, évidemment on s'intéresse aussi à la façon dont ils sont rééduqués. Et donc on est amené à entrer en contact avec les cliniciens qui font cette rééducation, et puis comme on n'est pas simplement intéressé par les problèmes vraiment abstraits ou disons fondamentaux de recherche, on s'intéresse aussi, on essaye de trouver des moyens, de développer des moyens pour faciliter cette rééducation. Et puis, comme chacun le sait ici, les apprentissages changent beaucoup actuellement. On est dans une période de transition. Où un petit peu, il y a beaucoup d'incertitudes sur les façons dont les méthodes pédagogiques qui vont être utilisées demain dans les écoles, en particulier avec l'arrivée des outils numériques. Et donc, en ce qui concerne l'écriture, ça pose un problème très,
concret, finalement, si on utilise les outils numériques à l'école comme le font les adultes d'une manière générale, eh bien, il faudrait écrire en tapant sur des claviers, par exemple. C'est-à-dire que il semble que majoritairement les adultes que nous sommes dans notre vie professionnelle beaucoup et même dans la vie personnelle souvent grâce au, ou pour les réseaux sociaux on écrit en tapant sur des claviers. Alors, des gens commencent à se poser la question finalement est-ce que c'est toujours utile de continuer à apprendre à écrire à la main? C'est très long, c'est difficile, ça demande pas mal d'années. Finalement on pourrait directement apprendre à écrire au clavier. Et finalement, vous avez vous posez ces questions parce que vous savez que la motricité qu'on met en jeu quand on écrit joue un rôle très important. Voilà, évidemment, comme tout le monde le sait, écrire à la main et écrire au clavier, ça n'implique pas du tout les mêmes mouvements et le cerveau n'est pas du tout activé de la même façon, comme on peut s'en douter quand on fait ces deux pratiques, ces deux écritures. Donc on s'est dit, et bon, si on apprend à écrire au clavier, qu'est-ce que ça va changer non seulement sur la façon d'écrire, mais comme il y a des relations, comme je le disais, étroites entre la lecture et l'écriture, est-ce que ça ne va pas avoir un impact aussi sur notre façon de lire? Et donc on a conduit un certain nombre d'études limitées dans le temps jusqu'à présent, parce que malheureusement, on ne peut pas évidemment empêcher les enfants d'apprendre à écrire de manière trop continue, surtout si on pense que ça va changer leur capacité de lire. Mais les études qui ont été conduites et dans notre groupe et ailleurs à l'étranger montrent quand même, pour aller vite, que il vaut mieux apprendre à écrire à la main. Ça permet de mieux reconnaître les lettres, les tout premiers apprentissages que l'on fait en école maternelle en France, où on apprend à écrire et à lire très tôt, et en école primaire, montre que c'est préférable d'apprendre à écrire à la main. On se crée comme ça dans notre cerveau, dans certaines zones du cerveau, une mémoire sensorimotrice du geste qui est utile probablement au moment où on doit identifier visuellement les lettres. Et vous y associez même des sons. Oui, alors voilà, il se trouve que, bon, sachant ça, et comme je vous le disais, en s'intéressant aussi au problème de la rééducation de l'écriture pour ces enfants qui ont du mal, on essaie aussi de développer des outils qui pourraient faciliter et la rééducation de l'écriture chez les cliniciens, les psychomotriciens, mais pourquoi pas à terme, là c'est encore un petit peu un projet ou quelque chose, aider à l'apprentissage de l'écriture à l'école maternelle. Et si demain on doit apprendre à écrire à l'école maternelle, et si on ne fait pas le choix d'apprendre à écrire au clavier, on peut utiliser les outils numériques, écrire sur des tablettes, tout en continuant à écrire à la main. Et dans ce cas-là, on pourrait mettre à profit tout ce qu'apportent les outils numériques pour faire ce qu'on pourrait appeler de l'écriture enrichie et donner des informations sur le mouvement d'écriture aux enfants, en particulier aux enfants qui ont du mal. Une forme d'écriture enrichie, c'est de générer du son quand on écrit. Quand on écrit, normalement, ça fait un petit peu de bruit, le frottement du stylo sur le papier, mais ce bruit-là, on n'est pas censé l'utiliser. On n'en sait rien réellement, mais ce n'est probablement pas le cas. Néanmoins, si on donne des sons nouveaux qui sont engendrés par le mouvement et qui sont chargés d'informations, ça peut aider les enfants qui ne perçoivent pas très bien pourquoi leur mouvement n'est pas correct. Vous avez apporté une petite vidéo à ce sujet et vous allez la commenter, Jean-Luc Velay. Voilà. Oui, alors c'est une petite vidéo. Bon, je la laisse passer, mais vous allez voir. C'est... Oui, alors c'est une petite vidéo simpliste. En fait, ça fait quelques années qu'on travaille sur cette utilisation des sons pour apprendre à écrire. Et donc, vous avez peut-être un peu fait attention au début du mouvement. On entendait la musique qui se mettait en marche, puis on entendait des petits bruits de percussion. En fait, ces bruits de percussion, ce sont des bruits qu'on a associés à des petites accélérations du mouvement qui n'étaient pas tout à fait appropriées. Les enfants dysgraphiques, ils ont une caractéristique, au lieu d'avoir un mouvement très régulier, très lisse, ils ont des mouvements assez saccadés, et ils ne perçoivent pas toujours que ces mouvements ne sont pas réguliers. Donc avec ces sons associés, on calcule en temps réel la vitesse, l'accélération du mouvement, et on les informe. Là, quand tu entends ces petits bruits de tam-tam, il faudrait éviter que ça se produise.
Et puis, il s'avère que les enfants, les sons, on les informe avec des sons, mais au bout d'un moment, ça les fatigue. Et donc, les psychomotriciens avec qui on travaille, vous n'auriez pas quelque chose d'un peu plus musical? Et donc, on a développé cette application qui est en cours de validation, qui consiste à... On a de la musique, les enfants doivent écrire en respectant le rythme de la musique et en essayant de faire en sorte que la musique ne soit pas déformée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils aillent ni trop lentement, ni trop vite. Donc c'est un outil qu'on va valider auprès d'enfants dysgraphiques et peut-être qui pourrait être utile dans l'avenir. Donc c'est un outil d'apprentissage. Vous dites que quand on écrit, le son, le mouvement et la lettre, finalement dans le cerveau, ça forme un tout. Oui, alors ça pose une question qui est très intéressante du point de vue des apprentissages, à laquelle beaucoup de gens s'intéressent, c'est finalement les apprentissages ne sont pas limités à une modalité sensorielle. On l'a déjà évoqué plus ou moins implicitement dans ce qui a été dit précédemment, mais on apprend avec ses yeux, on apprend avec ses oreilles, et on apprend aussi avec son corps, et en particulier avec les mouvements qu'on fait. Et donc, c'est vrai pour la plupart des apprentissages, c'est extrêmement vrai pour l'écriture. Donc là, si vous voulez... ce qu'on ajoute, c'est une information sonore, auditive, qui, dans l'écriture, a priori, n'est pas fondamentale, mais qui pourrait peut-être enrichir un petit peu et faciliter l'apprentissage, les enfants associant des sons et pourquoi pas de la musique à la rythmicité du geste d'écriture qu'ils font. Olivier Mascaro, est-ce qu'on peut revenir un instant sur les bébés? Et vous avez compris l'importance du contexte social qui permet aux bébés et aux jeunes enfants d'apprendre. Oui, tout à fait. Et ça a plusieurs titres. D'ailleurs, je vais rebondir un peu sur ce que disait l'intervenant précédent. Et on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait un certain nombre de stimulations sensorielles. C'est vrai que chez le bébé, on utilise beaucoup la vision. Mais il y a d'autres sources d'informations sensorielles qui sont particulièrement importantes. Et il y en a une que vous n'avez pas citée, qu'on oublie souvent, c'est le toucher, qui est très très importante chez le jeune enfant. Et on a pu se rendre compte en fait que le toucher, c'était primordial pour le développement cognitif. Ça avait des incidences aussi, par exemple, sur le développement cérébral aussi du jeune enfant. Après, de manière plus générale, dans le domaine social, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait tout un tas de connaissances qui émergeaient très très précocement chez l'enfant et qui vont faire appel à des raisonnements qui sont comparables à des raisonnements logiques, si vous voulez, par exemple dans le domaine des relations sociales. Et que les enfants s'apprennent les uns les autres, apprennent des uns des autres. Et par ailleurs, oui, après on peut observer que les enfants très très tôt vont effectivement apprendre les uns des autres et des adultes, en général des gens qu'ils peuvent observer autour d'eux, oui. Philippe Gossier, vous nous avez montré tout à l'heure comment on peut. Vous nous avez montré cette vidéo du robot et de la main. On apprend par imitation. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée d'imitation. Vous avez mené d'autres expériences avec des objets qu'on montre au robot et on lui dit lui fait comprendre si c'est bien ou pas l'objet. Oui, voilà. C'est-à-dire que. Une fois qu'on a notre robot qui est capable de reconnaître les expressions faciales de quelqu'un, finalement, on a une manière de pouvoir lui donner une récompense sans explicitement donner cette récompense. C'est-à-dire qu'on pourrait activer quelque chose qui simulerait un centre du plaisir ou un centre de la douleur. Mais finalement, si j'ai mon robot qui sait que quand finalement je lui souris, c'est l'équivalent de quelque chose de plaisant, ou quand je vais lui faire une grimace, c'est quelque chose, entre guillemets, d'équivalent de déplaisant, alors je peux me servir de cette référence pour finalement lui enseigner autre chose. Et donc je peux cascader un petit peu ce que je vous ai montré avant. Et donc là on a une petite vidéo normalement donc qui montre comment est-ce qu'on peut enseigner à un robot à préférer, voilà, donc là par exemple on a Sofiane Boussena qui sourit au robot, donc le robot en retour normalement sourit quand il reconnaît le sourire de Sofiane et en même temps va associer le biberon au fait que c'est un objet positif. Inversement, quand il voit le pistolet, il ne connaît pas du tout cet objet-là, donc au départ il ressemble un petit peu au biberon, donc il aurait tendance à le prendre, il voudrait sourire en disant c'est intéressant, mais comme en fait l'expression elle était négative de la part de l'expérimentateur, il a appris qu'il fallait éviter le pistolet et ne pas le prendre. Et ensuite, si on est neutre par rapport aux objets, c'est-à-dire lorsque Sofiane ensuite ne fait plus d'expression, eh bien, le robot va par exemple éloigner son bras
quand on va lui présenter le pistolet. Donc ça, c'est juste après, on fait une ou deux présentations des objets. Vous le voyez, j'ai juste coupé la vidéo pour que ça tienne en 30 secondes. Et voilà, là, maintenant, on va lui apprendre. Ah ben non, le pistolet, finalement, tu peux le prendre, c'est bien. Donc au début, évidemment, il a cet apprentissage, il a eu le conditionnement que le pistolet était négatif, donc il fallait l'éviter. Et là, maintenant, ben, puisqu'il lui a souri, il est capable de désapprendre et de faire ce réapprentissage. Donc en fait, on peut cascader ces mécaniques relativement simples pour développer des choses, on va dire, de plus en plus complexes. Et effectivement, comme on discutait avant, les mécanismes d'inhibition sont là très importants si on veut aller plus loin. Par exemple, pour imiter, mon robot a tendance à imiter tout le temps en même temps que les gens. Et évidemment, si on veut faire ce qu'on appelle une imitation différée, c'est-à-dire je vous montre comment faire un mouvement et puis vous devez attendre, vous, que j'ai terminé pour faire ce mouvement-là, si je n'ai pas de contrôle d'inhibition, alors mon architecture ne fonctionne pas. Et donc ça nous amène petit à petit à réfléchir, à se dire, ah mais on a négligé telle et telle structure dans le cerveau et si on en prenait, on en tenait compte, eh bien peut-être qu'on pourrait obtenir des modèles un peu plus perfectionnés. Ça nous aide à comprendre l'importance à la fois de la dynamique et des structures. Donc des robots pour comprendre le cerveau. C'est ce qu'on essaye de faire. Olivier Mascaro, alors où est-ce que j'en étais ? Parce qu'il faut qu'on suive nos images. Oui, voilà. Pardon. Je voulais que vous nous expliquiez tous comment vous travaillez, quelles sont les technologies que vous utilisez. On va peut-être commencer avec l'IRM, puisque vous avez apporté des images d'IRM, Olivier Houdet. Oui, avec plaisir. Voilà. Ça, c'est l'image d'une toute première réalisée en France. En 2008, nous avons travaillé avec des enfants volontaires d'école maternelle jusqu'au CM1, CM2, et chaque enfant passé dans l'IRM était préparé. Nous avons un tunnel en tissu en classe, ça existe dans toutes les classes, dans lesquelles les enfants sont... C'est rapide. Je vais parler de l'image avant de parler du contexte. Donc, vous voyez que l'enfant va rentrer dans l'IRM. On a conçu un casque que l'on pose sur ses oreilles pour le protéger du bruit, comme les casques sur les pistes d'aviation. Parce que c'est très, très bruyant. Pas très bruyant, mais c'est bruyant sur les pistes d'aviation. On a préenregistré les bruits qu'on fait écouter à l'enfant à l'école quand on le prépare. Il écoute le bruit de l'IRM, il danse, il dit, c'est pas mélodieux, mais il dit, ah, c'est comme de la musique techno, donc on le familiarise au bruit. Tout comme dans un tunnel en tissu en classe, on le familiarise à être confiné dans un tunnel, à répondre sur une tablette, on incruste un écran, en fait, nous, hein, dans l'IRM, où l'enfant voit des stimulations. Par exemple, visuel, les objets plus ou moins écartés que je vous ai montrés, on les a programmés informatiquement, ils apparaissent sur l'écran alors que l'enfant est dans l'IRM, et c'est ainsi qu'on a pu découvrir l'implication des régions pariétales, des régions frontales. Et maintenant, ça marche formidablement bien, on a vu beaucoup de corps d'enfants, les enfants sont préparés minutieusement comme des astronautes. Comme Thomas Pesquet qui partirait dans l'espace, les enfants sont très entraînés, très heureux de faire cela. Ce sont des projets pédagogiques avec l'école. Et puis on leur pose des questions. Voilà, on leur pose des questions alors qu'ils sont dans l'IRM, via le fil noir que vous voyez. Nous, dans la salle de contrôle, on parle à l'enfant. L'antenne qui est autour de sa tête va créer le phénomène de résonance magnétique et nous donner cette observation cérébrale. Je peux détailler un peu. Quand le cerveau de l'enfant travaille, quand une région travaille, elle consomme de l'énergie. Et l'énergie, c'est du glucose dans le cerveau et de l'oxygène qui arrive par le sang. Ce qui veut dire qu'à l'endroit où le cerveau travaille, vous allez avoir un débit sanguin cérébral régional accru, et on calcule cela statistiquement par rapport aux autres régions du cerveau, et cette augmentation du débit sanguin cérébral régional, qui est une mesure, tout comme on mesure le temps de réaction, variable externe, ici c'est une variable interne, on nous fait ces belles images du cerveau où on a statistiquement toutes les régions plus activées à un moment donné d'un apprentissage. On utilise aussi cette technique avant et après apprentissage, qu'on appelle la neuropédagogie. On va pouvoir voir, en voyant deux fois l'enfant dans l'IRM et en faisant entre les deux un apprentissage très classique, écologique, comme on le fera à l'école, ce qui a bougé dans le cerveau. Donc ça, c'est un exploit technologique réussi grâce au CNRS, parce que ces technologies étaient classiquement utilisées dans les hôpitaux, pour la santé. Tout le monde se dit, évidemment, l'IRM, c'est utile pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau, dans la mémoire, pour la maladie d'Alzheimer, dans le vieillissement, par exemple, ou quand on a une tumeur. Nous, on s'est dit, il faut aussi utiliser l'IRM pour comprendre le cerveau en développement qui apprend chez tous les enfants des classes volontaires, de manière à ce que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Platon déjà était cérébrocentriste, mais seulement depuis 10 ans. Mais il n'y avait pas d'IRM. Il n'y avait pas d'IRM. Voilà. On peut utiliser ces technologies. C'est un bel outil d'exploration que vous utilisez aussi, Jean-Luc Velay, à propos de l'écriture. Oui, bien sûr, c'est un outil donc, qui nous apporte beaucoup d'informations, comme l'a dit Olivier Houdet. Il y a tout un tas de choses sur ce qui se passe dans le cerveau de l'apprentissage qu'on ignorait totalement avant de disposer de ces outils. Et donc, de la même façon,
On peut voir comment le cerveau se modifie après des apprentissages différents, par exemple, et ça fonctionne chez l'enfant, mais même chez l'adulte, hein, à l'âge que nous avons tous, il y a de la plasticité cérébrale, qui est vraiment le cœur de l'apprentissage, c'est-à-dire la réorganisation de certaines zones du cerveau, du lien ou des connexions entre certaines zones du cerveau qui sont possibles à tous âges, évidemment plus facile et plus rapide chez l'enfant. Et donc, grâce à ces outils de neuroimagerie, l'IRM fonctionnel, mais aussi a été évoqué tout à l'heure par Olivier Houdet, l'EEG, l'électroencéphalographie, donc, qui permet d'enregistrer l'activité électrique très petite générée par les neurones du cerveau, et puis d'autres techniques un petit peu différentes, eh bien, on arrive à suivre les modifications cérébrales, la plasticité cérébrale, et en particulier, on peut voir en parallèle, quand on compare deux méthodes pédagogiques, par exemple deux façons d'apprendre, si d'abord une des deux façons est plus efficace que l'autre, ce qui est évidemment fondamental, et c'est ça qui est peut-être le plus important pour le grand public et pour les enseignants, mais également si cette différence d'efficacité des méthodes pédagogiques repose sur des différences d'activation, de changement ou de plasticité cérébrale. Olivier Mascaro, vous n'utilisez pas l'IRM, vous avez d'autres techniques. Vous nous avez parlé tout à l'heure de vous regarder le rythme cardiaque, la dilatation de la pupille. Oui, alors on n'utilise pas l'IRM, enfin on peut utiliser l'IRM chez le bébé, mais c'est assez difficile puisqu'il faut être faut vraiment être immobile dans le scanner et donc ça rend difficile l'utilisation de l'IRM chez le bébé, même si ça peut se faire sous certaines conditions, par exemple quand les bébés dorment. Et puis on peut utiliser certaines méthodes pour effectivement soit mesurer l'activité cérébrale directement, par contre l'électroencéphalographie qui peut être utilisée dès le plus jeune âge, aussi des méthodes qui vont mesurer le flux sanguin au sein du cerveau à la surface du cortex à partir de la réfraction de la lumière sur la base des déplacements d'hémoglobine. Et puis ensuite, on a des méthodes plus comportementales, comme par exemple analyser le regard, que ce soit la durée du regard ou la dilatation de la pupille, en réponse à un événement qui va être surprenant pour le bébé. Donc par exemple, pour vous donner un exemple lié au développement des mathématiques, on peut créer quelque chose qui ressemble à un petit tour de magie pour le bébé. Si vous avez un écran derrière lequel je mets un premier objet, puis un deuxième objet, je fais tomber l'écran, vous voyez deux objets, ça n'est pas très surprenant. Si maintenant je mets l'écran, je mets un premier objet, un deuxième objet, je fais tomber l'écran et il y a un seul objet, là, c'est quelque chose qui est surprenant pour nous. Mais c'est cruel. C'est cruel. On le fait avec trois aussi, donc c'est moins cruel. Donc, et là, on peut observer que très très tôt, les bébés vont regarder plus longtemps cette séquence qui est surprenante et on peut donc faire une inférence sur le fait qu'ils ont détecté cette violation d'attente. Les bébés, ce sont les bébés que des familles vous amènent, des familles volontaires, et les expériences durent très peu de temps. C'est très très rapide, en fait, ça dure entre 5 et 10 minutes, évidemment, puisque pour un très très jeune enfant, il faut comprendre que les bébés, contrairement aux enfants plus âgés et aux adultes, ne savent pas qu'ils participent à un projet de recherche. Donc il faut vraiment les mettre dans une situation où spontanément on va pouvoir étudier leur réaction, donc c'est forcément des situations qui sont assez courtes, et après c'est participation volontaire, toute famille qui s'intéresse à ces projets là peut nous rejoindre. Vous avez donc compris que les bébés avaient des compétences sociales précoces et qu'ils avaient le sens de la hiérarchie. Oui, c'est vrai, ça fait partie de cet ensemble de compétences sociales qu'on a pu détecter et qui est lié notamment à des capacités donc de raisonnement, puisqu'on a pu voir que les enfants étaient sensibles à la hiérarchie, aux relations de pouvoir entre les individus, et qu'ils pouvaient aussi raisonner sur ces relations de pouvoir pour former des représentations des structures de pouvoir, par exemple. Montrez-nous ce que vous leur montrez justement à ces bébés. Ah, alors là, vous êtes dans la peau d'un bébé. Ah, on aurait dû commencer par l'autre vidéo, mais bon, peu importe. On est dans une situation dans laquelle il y a un conflit entre les buts de deux agents. Et ici, les agents, ce sont vraiment des figures géométriques abstraites. Et donc, dans cette situation, on peut voir que l'un des agents prévaut sur l'autre quand les buts des deux sont en conflit. Donc, à la fin, vous avez pu voir que les deux agents voulaient obtenir un objet et l'un d'entre eux a pu emporter l'objet. Il n'y avait pas de conflit physique, hein, il y avait juste simplement un agent qui prévaut quand les buts des deux sont en conflit. On va voir peut-être l'autre vidéo. Oui.
qu'on devait voir avant, puis voilà. On reverra celle-là ensuite. Très bien. Elle ne devait... Voilà. Voilà, donc tout d'abord, ce qu'on montre au bébé, c'est une situation dans laquelle vous avez deux agents qui sont en compétition pour ici occuper un espace qui est au centre de l'écran. Et ce que le bébé va voir, c'est simplement que l'un des deux agents va prévaloir de manière répétée. Donc ici, ça va se manifester simplement en poussant l'autre agent et en monopolisant l'accès à l'espace central. Et on répète cette situation plusieurs fois pour que l'enfant ait le temps de traiter finalement l'information qui lui est présentée. Donc si vous voulez, l'enfant va voir... Donc vous montrez ces images aux enfants. Voilà, on montre cette image-là de manière répétée. Et ce qui est remarquable, évidemment, ces travaux-là, ils font suite à toutes sortes de travaux. On a pu montrer que les enfants, s'ils voient une forme géométrique abstraite comme cela, qui se déplace toute seule, qui va avoir par exemple un œil, ils sont déjà capables de reconnaître précisément qu'il s'agit d'un agent. Il s'agit alors, de quelqu'un qui peut avoir des buts. Oui. On va revoir le premier film qu'on a vu, on va le revoir maintenant et on va mieux comprendre. Voilà, et donc ce qu'on a vu, c'est que l'enfant était familiarisé à une situation dans laquelle la boule bleue était dominante par rapport au triangle rouge, et on recrée cette situation, on présente à l'enfant une nouvelle situation où les buts des agents sont en conflit, mais cette fois-ci pour quelque chose d'autre, ici accéder à un objet. Et donc là, seul l'un des deux agents peut prendre le dernier objet. Dans la moitié des cas, les enfants vont voir la situation où c'est la boule bleue qui prévaut à nouveau, et dans ce cas-là, on va observer que les enfants regardent moins longtemps. Et dans l'autre moitié des cas, ce qu'on va montrer à l'enfant, c'est une situation dans laquelle c'est le triangle rouge qui va prévaloir, et auquel cas on va observer que les enfants vont regarder plus longtemps cette situation. Ce qui suggère qu'ils forment une relation, une représentation de la relation de pouvoir, de la capacité à prévaloir quand les buts sont en conflit, qui se développe très très tôt. Et à partir de ces représentations-là, on peut étudier les raisonnements que les enfants font sur ces représentations-là, et on a pu montrer par exemple qu'ils étaient capables de faire des inférences transitives. Ils sont sensibles au fait que si A domine B et que B domine C, alors il y a plus de chances pour que A domine C. Ce qui est une inférence qui, dans le cadre piagétien classique, enfin dans les études classiques qui avaient été faites quand on demande verbalement à l'enfant de raisonner par exemple sur des quantités physiques, c'est quelque chose qui se développe très très tardivement, autour de 4 ans. Et là, on peut montrer que déjà chez le bébé, dans ce domaine social, c'est présent. Donc on comprend bien que les mécanismes de l'apprentissage commencent à être vraiment dévoilés, compris, décortiqués. Avant de passer le micro à la salle, je pense que vous avez des questions à nos 4 intervenants. J'aimerais bien que vous nous disiez quand même en quelques mots si vos travaux ont des répercussions dans le milieu scolaire, par exemple, Jean-Luc Velay. Oui, alors les répercussions, elles ne sont pas immédiates, évidemment, mais oui, l'ensemble des travaux qu'on fait, je pense que c'est le cas pour les 4 personnes qui sont à cette table ronde, amènent à réfléchir et à repenser la façon dont on doit pratiquer les apprentissages. Plus on connaît, plus on a d'informations sur ce qui se passe au sein du cerveau pendant et après un apprentissage, et par exemple... Prenons un cas très classique, c'est la dyslexie. Pendant très longtemps, on ne comprenait pas pourquoi des enfants étaient incapables d'apprendre à lire. Et souvent, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait, bon, cet enfant, s'il n'est pas capable d'apprendre à lire, il y a un gros problème. Il ne faut pas que c'est quelqu'un qui intellectuellement... Bon, aujourd'hui, on sait que ça n'est pas le cas. Les enfants dyslexiques sont intellectuellement comme les autres. Simplement, il y a quelque chose dans leur cerveau qui ne fonctionne pas exactement comme les autres. On commence aujourd'hui à savoir assez précisément ce qu'il en est. Eh bien, évidemment, ça, on change de regard sur ces questions des difficultés, des troubles d'apprentissage. Et voilà, donc nos travaux, d'une manière générale, amènent à revoir un peu ces apprentissages. Mais malgré le numérique qui fait son apparition dans toutes les classes, est-ce qu'on va continuer avec vos travaux à écrire à la main et à apprendre à écrire à la main ? Alors ça, c'est une grande question qui ne dépend pas que des scientifiques. Nous, on peut apporter des éléments et on essaye de le faire. Et d'ailleurs, je pense que c'est notre rôle social aussi, c'est d'informer les politiques, mais la décision, elle est prise souvent à d'autres niveaux. Et là, pour l'écriture plus précisément, il y a une évolution qu'on voit de la pratique de l'écriture avec les outils numériques. Demain, et quand je dis demain, c'est vraiment demain, les écoles et jusqu'aux écoles maternelles vont être équipées de tablettes.
Et là, il y a un choix qui doit être opéré. Qu'est-ce qu'on fait avec les tablettes au moment où il faut apprendre à écrire ? On peut aujourd'hui choisir d'écrire au clavier ou on peut écrire à la main. Les deux sont possibles. Et comme je vous le disais, on peut même apprendre à écrire à la main peut-être plus facilement avec les tablettes. Mais je ne suis pas en mesure de dire ce qui va se passer réellement. Moi, si je devais donner mon avis personnel, je pense qu'on devrait continuer à écrire à la main, parce que l'écriture manuscrite, c'est quand même quelque chose qui est bien, d'une manière générale, pour la société. C'est quelque chose qu'on peut écrire avec très peu de moyens, un papier, un crayon. Maintenant, on peut, si on utilise les outils numériques, pourquoi pas utiliser les outils numériques pour apprendre à écrire, et voilà. Mais je ne sais pas. Encore une fois, là, il y a des choix qui nous échappent. Olivier Houdet, quelles sont les répercussions de vos travaux dans le milieu scolaire ? Nous, c'est le cœur du laboratoire, ce qu'on appelle le translationnel, le transfert vers l'école. On travaille avec des centaines d'écoles en France et dans le monde, qui participent d'abord aux expériences, comme je vous ai présenté, en IRM comportementale. Mais on a ressenti le fait qu'on ne parvenait pas à passer à plus grande échelle pour ce transfert vers l'école. Donc on vient de lancer une grande opération en septembre avec le groupe Nathan, grand éditeur scolaire, qui est une plateforme numérique qui s'appelle Léa, l'école d'aujourd'hui, qui est une communauté pédagogique, un Facebook numérique pédagogique, si vous voulez, où les profs de tout le territoire et de toute la francophonie s'inscrivent. Il y a une diapo, normalement, qui présente cela. Voilà. On a donné une grande conférence avec une start-up qui a été diffusée dans un grand nombre de classes en France et ailleurs un jeudi après-midi où on expliquait le cerveau aux élèves. Et on a mobilisé les professeurs volontaires. Il y a pour l'instant 3000 élèves et plus de 100 classes pour faire une cartographie des heuristiques à l'école, comme je vous parlais tout à l'heure. L'heuristique longueur égale nombre. Il y a des tas d'autres heuristiques dans la façon dont les professeurs posent les questions, organisent le matériel, et ces heuristiques inconscientes créent souvent les erreurs à l'école, il faut les identifier. Et donc un peu comme des lanceurs d'alerte en médecine ou comme une étude épidémiologique, nous sommes en train, avec tous ces professeurs volontaires, d'établir une cartographie des heuristiques scolaires qui créent des erreurs pour lire, écrire, compter, raisonner, aussi pour respecter autrui, où l'heuristique est l'égocentrisme. Et tout le temps, il faut inhiber l'égocentrisme pour activer un algorithme plus allocentré, prendre en compte le point de vue de l'autre et être tolérant. Et à partir de cette cartographie d'heuristique qui est déjà en cours, donc il y a un forum de discussion, s'il y a des professeurs parmi vous, ils peuvent s'inscrire, c'est gratuit sur lea.fr, et on discute avec constamment 200 professeurs. Il y a une bourse CIFRE, donc entreprise et CNRS doctorale, une jeune dame qui est là en photo à côté de moi-même et mon collègue Grégoire Borse, quand on a lancé cette opération. Et après, les profs expérimentent, c'est-à-dire qu'en classe, ils créent des apprentissages à l'inhibition des heuristiques, au sens positif, qui créent cette reconfiguration cérébrale que j'ai montrée au début. Ils ne vont pas refaire de l'imagerie mentale en classe, mais ils savent qu'en laboratoire, on a testé cette loi de l'apprentissage et peuvent la décliner de façon alors tout à fait naturelle à l'école, ce qui est indiqué en dessous, expérimentation. Et les expérimentations commencent début janvier, soit des jeux généraux qui exercent le cortex préfrontal et cette capacité d'inhibition des automatismes, soit des apprentissages très ciblés sur, on va prendre l'exemple de la lecture, les erreurs en miroir. Les enfants confondent souvent le B et le D, ou le P et le Q. On s'est longtemps interrogé sur ces erreurs qui surviennent aussi chez les dyslexiques. On a découvert au laboratoire, c'est une thèse de doctorat qui vient d'être soutenue par Emmanuel Haar, que le problème, c'est qu'il y a une heuristique visuelle selon laquelle on infère l'identité par généralisation miroir. C'est-à-dire, si je vois Florence arriver à droite ou à gauche... Mais si vous m'appelez Florence, ça ne va pas marcher parce que mon prénom, c'est Fabienne. Je dois avoir une heuristique avec les Florence. Si Fabienne arrive à gauche ou à droite, j'infère immédiatement, bien évidemment, que c'est Fabienne, parce qu'une région de notre cerveau, sur le cortex occipitotemporal, traite les objets visuels, leur identité, quelle que soit leur orientation latérale. Mais c'est cette même région du cerveau, comme l'a très bien montré Stanislas Dehaene, qui est recyclée pour apprendre les lettres et les mots. Et donc l'heuristique qui marche dans le domaine visuel et qu'on utilise tout le temps, d'où cet exemple, ne marche pas pour les lettres en miroir. Et donc il faut inhiber cette heuristique visuelle pour activer l'algorithme exact, qui dans ce cas est l'alphabet.
c'est plus long, ça demande un effort cognitif de décliner l'alphabet, tout comme tout à l'heure dans la tâche de Piaget des jetons, c'était plus long de compter, et ça va plus vite d'inférer la génération miroir. Donc, vous voyez, c'est un exemple pour la lecture. On en a pour l'égocentrisme, pour le respect d'autrui, on en a pour le raisonnement, et donc tout cela, en fait, les profs ne l'avaient pas identifié. Et si encore une marge de progrès à l'école, c'est justement comprendre plus finement la précision pédagogique dont a besoin le cerveau, et ça se fait maintenant à grande échelle avec des plateformes numériques comme Léa de Nathan, et il est bien logique que les grands éditeurs, c'est-à-dire le milieu socio-économique de la pédagogie, la recherche fondamentale, le CNRS, et puis nous-mêmes, moi je suis instituteur de formation première, donc j'ai vraiment à cœur de retourner tout le temps vers l'école. Donc c'est sur Léa.fr, et c'est un grand projet de science participative. Vous avez sûrement des questions à poser aux quatre intervenants. Oui, je vois une main qui se lève. Bonjour, merci. Je suis très intéressé par ce phénomène d'inhibition et d'apprentissage. On apprend toute la vie, et pour les adultes, il y a effectivement des idées reçues contre lesquelles il est très dur de lutter. Et les idées fausses sont pires que les idées reçues. Comment fait-on pour, notamment dans le monde de la recherche, arriver à battre un apprentissage qui date de 40 ans sur des idées reçues extrêmement ancrées pour savoir si l'inhibition, on peut la renforcer, la rendre plus forte, même pour appliquer ça dans le monde de la recherche, par exemple? Oui, absolument. Alors, vous avez tout dit. En effet, ce sont les idées reçues. On peut aussi dire que ce sont les stéréotypes. Et il y a un paradoxe, c'est-à-dire, plus on a de la culture, plus on a de l'expertise et de la spécialisation, plus ces idées reçues sont fortes et nos heuristiques doivent être inhibées. Vous savez qu'en philosophie, en histoire des sciences, c'est ce que Bachelard appelait les obstacles épistémologiques. Et Bachelard avait une philosophie du non. C'est-à-dire, il disait qu'il faut apprendre à dire non à nos façons habituelles de raisonner. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est vrai aussi, évidemment, pour les scientifiques qui doivent quelquefois changer de paradigme, pas tous penser de la même façon, il faut inhiber. Donc cette inhibition dont je parle, elle est au cœur du développement de l'intelligence chez l'enfant, mais aussi sans doute de l'histoire des sciences et de la construction des connaissances en général. Et Bachelard, qui était contemporain de Piaget, cherchait dans Piaget une assise à ses idées. Et Dominique Lecourt, qui fut son élève, m'a dit, il ne l'a jamais trouvé, parce qu'il n'y avait pas l'inhibition chez Piaget. C'était un système de stades qui se succédait avec de la coordination, de la coactivation. Il manquait cette inhibition. Or, au niveau physiologique et neuronal, on sait depuis le 19e siècle qu'il y a autant de neurones et de connexions inhibitrices qu'activatrices dans le cerveau, et ça se retrouve au niveau cognitif les plus élevés. Donc, en effet, il faudrait faire au CNRS des programmes d'inhibition de nos propres schémas, y compris l'inhibition de l'inhibition, mais qui reste toujours de l'inhibition. Mais est-ce qu'on peut développer cette inhibition même à l'âge adulte et pour combattre des décennies de croyances ou de certitudes? On a un projet de l'ANR qui s'appelle IDEFIX, vous comprenez pourquoi. On travaille avec l'école des mines et tout un cluster d'industriels sur l'innovation. Et précisément, on a longtemps dit que l'inhibition, c'était contraire à la créativité. On dit un enfant inhibé n'est pas créatif, ou un adulte inhibé n'est pas créatif. Mais dans le sens que je vous ai présenté, c'est tout le contraire. Il faut inhiber positivement ces effets de fixation. Et en psychologie expérimentale, on doit toujours avoir des mesures très précises. On peut mesurer l'effet de fixation, c'est-à-dire combien, et c'est le nom que ça porte, combien on est fixé sur une idée, sur une façon de concevoir un objet pour les designers, par exemple. Et on fait des entraînements, tout comme chez l'enfant, en entreprise, à ce processus inhibiteur dès l'instant où ils l'ont compris. Et un dernier mot, pardonnez-moi, Fabienne. La reconfiguration cérébrale que je vous ai montrée tout à l'heure, donc postéro-antérieure, où se met en place ce contrôle inhibiteur, était dans une tâche de raisonnement logique, une tâche réconditionnelle. Eh bien, cette tâche de raisonnement, on l'a fait passer à des polytechniciens en France et des grands groupes répétés de polytechniciens que je voyais pour des formations des cadres supérieurs à haut potentiel dans un grand groupe industriel. Tous se trompaient et tous, enfin 9 sur 10, avaient ce défaut de contrôle inhibiteur dans une tâche de logique. Donc, eux, les polytechniciens, par leur scolarité, ont tous les algorithmes exacts que l'on peut imaginer, mais pas nécessairement cette force d'inhibition qui crée, comme on le sait, les décisions absurdes ou l'irrationalité chez nos contemporains et parfois même les politiques. Oui, une main se lève au milieu. Et ensuite, je ne sais pas, mais si on peut approcher le micro. Merci, Émilie. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à l'apprentissage sur l'idée du jeu.
Alors pourquoi l'idée du jeu? Parce que dans la capacité du jeu, en fait, on peut aller dans le sens de l'inhibition de manière très positive. Mais l'idée du jeu, c'est par opposition aussi à celle de l'erreur, par opposition à celle de la punition. Est-ce que la capacité d'apprentissage par rapport au jeu peut aussi émanciper les différentes intelligences qui existent chez les enfants? On parle d'un apprentissage. Existe-t-il des apprentissages qui s'adressent à l'émancipation des différentes intelligences des enfants? Olivier Mascaro. Mais on vient de terminer un autre projet de l'ANR qui s'appelle APEX, apprentissage exécutif sur des jeux. Donc on a codé différents jeux sur tablette. On l'a fait qu'un groupe d'enfants et d'adolescents, puisque maintenant le jeu concerne tous les âges. Jadis, c'est un stade de l'enfance, ça concerne tous les âges. Et les enfants et les ados, à la maison, jouent 15 minutes par jour sur tablette pendant un mois, et on mesure en IRM avant et après les modifications, et cognitivement dans des tâches comparables et dans des tâches très lointaines, y compris scolaires, pour voir s'il y a des transferts de l'intelligence, disons, qu'ils ont développée par le jeu. Mais après, comme nous appliquons la méthode expérimentale en psychologie, issue de Claude Bernard et qui habite la psychologie depuis un siècle, on a codé des jeux différents selon les tablettes. L'apparence est la même, et sur l'un, on va entraîner uniquement la mémoire, sur l'autre, l'inhibition des automatismes, avec des scores qui vont de 1 à 8. Et pour gagner, quelquefois, il faut plutôt ne pas répondre, inhiber, prendre du recul. Et le programme est terminé, on est en train de traiter les données. On a tous les niveaux d'organisation du vivant, puisque des laboratoires comme les nôtres sont à la fois au CNRS en sciences de la vie et en sciences humaines et sociales. Mmh. On a des mesures génétiques, réceptivité à l'apprentissage, structurale, la forme du cerveau, les sillons, la matière grise, comment elle bouge, l'aspect fonctionnel, et aussi aujourd'hui la matière blanche, c'est-à-dire les connexions à longue distance que j'évoquais tout à l'heure, dont on peut voir les reconfigurations issues d'un apprentissage par le jeu sur tablette tous les jours. Donc oui, cette question est vraiment centrale et a très peu de données. On discute beaucoup les écrans, pas les écrans, mais qu'est-ce qu'on fait sur les écrans et en quoi la nouvelle culture du jeu éveille l'intelligence. Ce que disait déjà Montessori, Freinet, enfin surtout Montessori, dont on n'a pas parlé, mais les lettres rugueuses de Montessori étaient tout à fait au cœur de ce que vous évoquiez, hein, toucher les lettres et leur caractère rugueux. Un complément de réponse, Olivier Mascaro, sur le jeu. Oui, sur le jeu. Je voudrais simplement dire, c'est vrai qu'il y a une question générale sur l'enfance, et notamment chez l'être humain, on a des enfances très très longues. Et c'est la raison de cette enfance très très longue. Et une des hypothèses, c'est que ça nous permet d'apprendre. Et ce qu'on observe dans les espèces, dans beaucoup d'espèces, y compris chez l'être humain, c'est que les juvéniles vont passer beaucoup de temps à jouer. Donc on pense que le jeu serait un des mécanismes qui pourrait avoir pour fonction vraiment d'être support des apprentissages. Et pourquoi ça aurait cette fonction? Parce que c'est une situation dans laquelle, c'est comme de la simulation si vous voulez, les enjeux ne sont pas réels, mais en même temps on se met dans la situation dans laquelle on va pouvoir tester ses connaissances, etc., etc. Donc il y a des raisons de penser effectivement que le jeu c'est vraiment un domaine très prometteur pour étudier, enfin un des mécanismes d'apprentissage qui est vraiment fondamental. Et puis on ne l'a pas beaucoup dit, mais le cerveau à la naissance est loin d'être terminé. Oui, par ailleurs, il y a effectivement des phénomènes de maturation qui ont lieu vraiment tout au long de l'enfance, en fait. D'autres questions? Alors, je vois deux mains se lever là. Est-ce qu'on peut approcher un micro? Oui. Bonjour. Une question par rapport à la transférabilité. C'est une problématique assez forte en sciences de l'éducation, à savoir comment est-ce qu'on peut transférer d'une situation à l'autre certains apprentissages, et en l'occurrence pour l'inhibition, dans un contexte où on travaillerait à l'école par exemple des mécanismes d'inhibition, dans quelle mesure est-ce qu'on peut espérer qu'apprendre à inhiber certaines choses, je pense par exemple à la répétition des gestes de la personne qu'on a en face de soi, si on est capable de faire ça, dans quelle mesure est-ce que ça va nous aider à inhiber dans le cadre de situations plus complexes? Olivier, une courte réponse, parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions. Oui, on a vraiment des programmes dès l'école maternelle, même les jeux tout à fait classiques, c'est ni oui ni non, Jacques a dit, 1, 2, 3 soleils sont typiquement des jeux qui mobilisent le cortex préfrontal, et après, il faut voir comment ça se transfère au cœur des apprentissages. Donc nous, toutes les recherches qu'on programme, comme je l'évoquais, c'est sur lire, écrire, compter, penser et respecter autrui. Exactement le programme scolaire en France, et dans chacun de ces domaines, il faut apprendre à inhiber,
Et le fait même que ça se transfère ou non, ce que l'on mesure, est intéressant. Et la science des apprentissages, c'est deux choses, il faut quand même le dire dans cette table ronde, c'est le transfert que vous évoquez. Si on a appris dans une situation, est-ce que dans une situation nouvelle, on va transférer un mécanisme général ? Et la stabilisation, c'est-à-dire est-ce que le maintien, est-ce que dans le temps, cet apprentissage se maintient ? C'est pourquoi on fait toujours un pré-test, un post-test immédiat, des post-tests différés, et à chaque test, un gradient de tâches plus ou moins proche pour tester ce transfert. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Oui. Monsieur Gossier, vous aviez dit que vous avez utilisé une méthode d'apprentissage par renforcement. Pourquoi avez-vous fait ce choix-là et pas une autre méthode d'apprentissage supervisé ou un autre type ? D'accord. Alors, je dirais, historiquement, ce qui nous intéressait, c'était vraiment comprendre le cerveau tel qu'on le voyait chez les animaux, chez l'humain. Et donc, on travaillait beaucoup. Donc, c'est pour cette raison qu'en fait, on s'intéressait plutôt à des apprentissages associatifs. Et évidemment, avec la capacité d'avoir des signaux de renforcement qui puissent fonctionner. Après, effectivement, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle, donc avec d'autres techniques. La plupart, en fait, de ces techniques sont plutôt dédiées au fait de traiter des grands blocs de données, c'est-à-dire qu'on a une base de données où on va enseigner à notre système, voilà, dans telle circonstance, tu devras faire ça. Et donc, en fait, la grande limitation, c'est qu'en fait, ces systèmes sont surtout passifs dans leur manière de fonctionner, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment l'apprentissage peut se mettre en place, comment l'interaction avec l'environnement induit une route de développement particulière ou une autre route. Et comment, justement, le fait, par exemple, qu'on soit là pour interagir en face d'un système va changer son comportement. Voilà, donc ça, nous, on le regarde au départ avec les psychologues, essayer de comprendre d'eux ce qu'ils nous expliquent sur l'enfant, sur le développement de l'enfant, par exemple, et ensuite, de vérifier sur un robot, est-ce que ça va se passer de la même manière ou pas. Oui, madame. Bonjour. Alors, moi, je vais me poser une question très basique et pragmatique, on va dire. Comment est-ce possible, avec toutes ces grandes connaissances qu'on a par rapport à l'apprentissage de l'enfance, qu'il y ait encore un tel échec scolaire ? Et c'est les moyens, et c'est les méthodes qui ne sont pas les bonnes, et c'est les choix politiques qui ne sont pas les plus appropriés. Voilà, et comment s'en sortir ? Alors, ça, c'est une vraie question. Olivier Houdet, Jean-Luc Velay. Vous avez raison, mais d'un certain point de vue, on vous a répondu. En un mot, c'est le temps de la science. Alors là, vous êtes là, un dimanche matin, vous venez écouter l'apprentissage, vous êtes hyper motivé, mais sachez que ces découvertes d'IRM dont on parle et d'exploration du cerveau, on a un recul de 10 ans. Par rapport à l'histoire des sciences et l'histoire de l'humanité et de l'éducation, c'est rien. Donc il faut laisser un tout petit peu de temps à la science pour que ces transferts se fassent. Je puis vous dire que c'est en route, comme je vous le disais, les laboratoires de recherche du CNRS, le mien compte une trentaine de chercheurs à la Sorbonne et d'enseignants, ne travaillent que là-dessus. Nous avons une convention avec l'Académie de Paris, Créteil, Versailles, toutes les classes volontaires, toute la francophonie avec le réseau numérique, mais l'opération que j'évoquais a démarré en septembre. Donc, il faut laisser le temps à la science, mais ce dont tout le monde est certain, c'est qu'il y a là une vraie marge de progrès, cette connaissance réflexive du cerveau humain, pour améliorer l'apprentissage là où il ne fonctionnait pas de façon spontanée, parce que la pédagogie intuitive et spontanée reste très bonne. Et comme ce fut le progrès pour la médecine depuis un siècle et demi, avec la génétique, la biologie moléculaire, là, on peut avoir un progrès vers de vraies et nouvelles sciences de l'éducation. Après, il faudra que le système de l'éducation nationale s'en empare. Mais moi, je puis dire que tous les contacts que j'ai à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau, sont extrêmement positifs à l'égard de ce que l'on fait. Donc, il y a un vrai désir. Et pour ce qui est de l'écriture, Jean-Luc Velay, vous allez nous parler du projet qui est en route et qui va peut-être changer beaucoup de choses dans les classes. Oui, mais pour compléter un peu ce que vient de dire Olivier Houdet, donc, il y a aussi une histoire dont il faut tenir compte. Jusqu'à présent, si vous voulez, les sciences de l'éducation n'ont pas été en prise directe avec les sciences du vivant, avec les sciences. Donc il y a toute une dans la formation même des enseignants, il y a beaucoup de choses à revoir. Et c'est en cours, effectivement, comme le disait Olivier Houdet, à Marseille, dans l'Académie d'Aix-Marseille, par exemple, ça fait maintenant plusieurs années qu'on essaye de créer des liens étroits entre les sciences de l'éducation, les enseignants et les laboratoires de recherche fondamentale, CNRS, etc.
parce que ça ne peut pas se faire en quelques semaines, ni même en quelques mois. C'est un processus au long cours qui doit, voilà, il faut laisser un petit peu de temps au temps pour se faire, et puis il faut même avoir le temps de digérer un peu les connaissances. Quand on a des connaissances scientifiques nouvelles sur le fonctionnement du cerveau, on en tire des conclusions. Nous-mêmes, on se trompe parfois, on est un peu hâtif dans nos conclusions, donc il faut qu'il y ait d'autres expériences qui confirment, etc. Bref, il faut être optimiste. Je pense que les recherches fondamentales et vont en faire évoluer les recherches sur l'apprentissage et sur l'éducation, mais ça implique des liens. Voilà. Quant au projet, rapidement, oui, très, rapidement, très, très vite, non, ça, je ne vais même pas en parler. Parce ah oui, si vous allez tester des écritures à la main et des classes qui vont écrire sur tablette. On a lancé un projet donc, qui est financé, qui débute l'année prochaine, sur, finalement, on veut répondre à la question, est-ce que ça va changer quelque chose demain si on n'apprend plus à écrire à la main? Et donc, on va des jeunes gens dans l'Académie d'Aix-Marseille, dans des collèges, apprennent un autre système graphique, une autre langue, la langue arabe en l'occurrence. Et donc, vous savez comme moi que l'arabe ne s'écrit pas comme le français. Et donc, ils doivent apprendre aussi à écrire l'arabe. Et bon, on va tester ça pendant des années, 4 ans. On va les suivre pendant tout le collège avec des groupes. Un groupe va apprendre de façon traditionnelle, papier-crayon. Un groupe va apprendre avec des tablettes en écrivant au clavier. Et un groupe intermédiaire, en quelque sorte, va apprendre sur les tablettes en écrivant à la main. On va faire comme classiquement des pré-tests avant l'apprentissage, et puis des tests régulièrement, deux fois par an. Et on va essayer de déterminer si oui ou non, les élèves qui apprennent l'arabe autrement que papier-crayon l'apprennent mieux ou moins bien. Et en particulier, si ceux qui l'apprennent au clavier l'apprennent moins bien. Et rendez-vous dans 4-5 ans. Je crois que notre temps est écoulé. Une dernière question. Oui, pour prolonger le propos de Jean-Luc Velay, est-ce qu'il y a actuellement une thérapeutique qui débouche de vos études sur la dysgraphie et éventuellement par rapport des résultats par rapport aux enfants concernés? Et puis aussi, bien sûr, si des adultes qui sont dysgraphiques, est-ce qu'ils viennent vous voir pour essayer de traiter leurs problèmes? Et puis, en outre, c'est dans le prolongement des langues sémitiques, par exemple, qui s'écrivent de droite à gauche, est-ce qu'on a étudié le même phénomène par rapport aux Chinois ou Japonais qui s'écrivent complètement différemment? Alors, c'est une longue question, donc je vais répondre brièvement. Nous, on en est encore au stade expérimental de recherche. Donc, nos relations, si vous voulez, sont plus directement avec les thérapeutes. En l'occurrence, traiter les dysgraphies, ce sont les psychomotriciens, les orthophonistes, les ergothérapeutes un petit peu. Donc, on travaille avec ces gens-là, on leur demande de quels outils vous auriez besoin, etc. Et voilà. Après, quand on aura des outils comme ceux qu'on commence à développer, qu'on estimera qu'ils sont efficaces, parce que on doit quand même, notre honnêteté de scientifique nous impose de ne pas dire aux cliniciens, tenez, utilisez ça, on vérifie d'abord que ça marche, on transférera ça au thérapeute. Et effectivement, à ce moment-là, ils pourront voir comment traiter la dysgraphie des enfants, des adultes, etc. Quant aux langues sémitiques, les recherches sur l'écriture, oui, bien, les recherches se développent beaucoup aussi. La question se pose partout dans le monde, de toute façon. L'écriture est en pleine évolution, donc les recherches les questions se posent partout dans le monde à peu près de la même façon. Nous, on travaille pas mal avec le Liban, par exemple, où les enfants au Liban apprennent très, très tôt à écrire l'arabe, bien sûr, qui est leur langue principale, mais également le français ou l'anglais. Et donc, ils sont confrontés à ce problème-là très tôt. Dans les pays asiatiques, c'est la même chose. En Chine, par exemple, les pratiques de l'écriture changent. Les jeunes chinois, ils sont comme tous les jeunes du monde entier. Ils écrivent de plus en plus sur des smartphones. Et ça pose un véritable problème parce qu'ils n'arrivent plus à écrire le chinois. Enfin bref, ce sont des questions qui se posent à un niveau international. Et évidemment, les chercheurs, on est en relation les uns avec les autres pour essayer de trouver, si ce n'est des réponses communes, au moins des éléments de réflexion communs sur toutes ces questions. Je crois que, oui, cette fois, notre temps est écoulé. Et Philippe Gossier, je vous propose qu'on termine avec une image que vous nous avez apportée. Vous nous avez montré ce que vous faites avec les robots. Et une dernière image de robot. Oui. Alors là, on part au musée du Quai Branly. Voilà, donc c'est une expérience qui a eu lieu l'année dernière, donc dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Persona.
où donc notre robot est à la fois un des éléments en fait de cette exposition, donc pour questionner les visiteurs sur la notion de la gentilité, les intentions qu'on peut prêter à un robot. Donc là vous voyez donc la tête du robot expressif, et vous voyez en même temps ce que le robot reconnaît dans son environnement. Et donc là c'est le public du musée qui interagissait avec le robot pour finalement dire au robot, ben voilà, ça c'est des objets que j'aime bien, ça c'est des objets que j'aime moins, et à partir de toutes ces informations, ben notre robot se fabrique un petit peu ses préférences. Et donc ça nous permet, nous, de questionner un petit peu donc, ben comment est-ce que ces choses-là se mettent en œuvre, comment est-ce qu'on interagit, qu'est-ce qui est important notamment pour, alors là dans notre cas, pour des interactions non verbales. Et voilà comment on peut un peu mieux comprendre le cerveau, les apprentissages. Merci infiniment Jean-Luc Velay, Philippe Gossier, Olivier Houdet, Olivier Mascaro, et merci à vous, merci beaucoup. Sur la gamification. En fait, ce qui se passe, c'est que on a.